Catherine, bonjour. Bonjour David, bonjour Vincent. Ravi de vous accueillir à la Galerie Tête de l'Art. Merci de nous accueillir en ce charmant lieu. Alors, qu'est-ce qu'est exactement Tête de l'Art ? Alors, Tête de l'Art, c'est une galerie qui a été créée il y a une dizaine d'années maintenant par des artistes locaux. Ils voulaient un lieu, en fait, où exposer. Et ça n'a pas arrêté de se développer. Et aujourd'hui, on peut se vanter, oui, d'avoir accueilli environ 800 artistes sur toutes ces années et d'avoir maintenant une renommée, même internationale, puisqu'on accueille des artistes aussi bien du Luxembourg, de Belgique, d'Allemagne, assez régulièrement et de toute la France, bien sûr. Super. Et qui peut exposer ? Alors, les artistes... Alors, on a des sessions qui sont organisées, qui durent 5 à 6 semaines. Dans chaque session, nous accueillons des peintres, des sculpteurs et des photographes. D'accord. Alors, la plupart des sessions s'adressent quand même à des artistes professionnels. Par contre, tous les ans, en été, une session est dédiée aux artistes amateurs. Donc, peut exposer qui veut. Super. Voilà, et ça attire pas mal de monde, hein, ça a pas mal de succès. Et là, vraiment, c'est une façon de se montrer, et c'est peut-être un peu plus local, quoique pas forcément. Mmh. Mais voilà, c'est plus varié, et ça s'adresse vraiment à tous. On peut voir donc de la peinture, des sculptures, comme vous avez dit, des photographies, mais il y a aussi des concerts. Oui, tout à fait. Alors, les sessions s'ouvrent toujours par un vernissage, oui, qui est ouvert aux adhérents. Et le lendemain, donc le dimanche après-midi, on a organisé, donc c'est pareil depuis plusieurs années, un petit concert qui s'appelle Tremplin. D'accord. Le but, c'est de promouvoir des artistes locaux, donc plutôt dans des styles variétés, jazz, musique moderne. Voilà, c'est assez varié aussi, et c'est des petites scènes, donc l'entrée est libre. On fait tourner un super chapeau, par contre, quand même pour une petite quête. Voilà, une petite quête pour les artistes qui parfois se déplacent de Metz. Enfin, ça s'adresse aussi aux artistes de la région. Il y a un petit buffet avec des gâteaux, de quoi boire un coup aussi. Enfin voilà. Donc vous êtes également bienvenus. Super. Et si on espère vous voir au prochain concert. Avec grand plaisir. Le 4 décembre. Alors le 4 décembre, voilà, nous on sera là. Et pour ceux qui veulent donc assister à ce concert ou visiter votre galerie, ils seront où ? La galerie se trouve rue Nationale au numéro 70A, c'est juste à côté du Zeeman, je pense que tout le monde connaît. Voilà, la plupart d'entre vous connaissent. C'est pas très loin de la pharmacie aussi qui fait le coin avec la rue Sainte-Croix. Nous sommes ouverts du mardi au samedi inclus, tous les après-midi, 14h-18h. Comme c'est une association, alors nous avons une salariée, mais elle est toute seule et ça fonctionne beaucoup avec des bénévoles, donc on a essayé de faire au mieux, mais voilà. Super, donc on vous attend tous à la Galerie Tête de l'Art et on vous dit à bientôt. À bientôt. Yvette, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui êtes à l'origine de toutes ces œuvres qu'on voit voir défiler à l'écran. Oui, oui. Comment vous est venue cette passion de la peinture ? Oh là là, elle a commencé il y a à peu près 9 ans. 9 ans, je suis passée devant la foire Fouille à Forbach et je suis allée acheter... Votre première toile. Ma première toile avec un peu de peinture, avec quelques pinceaux et je me suis installée chez moi. J'ai fait un hibiscus, une fleur, j'ai dessiné. D'accord. Sur la toile et j'ai appelé mon mari et il m'a dit « Écoute, t'as un don, continue. » Voilà. Voilà. Sans être indiscret, vous avez quel âge ? 73. C'est incroyable comme quoi la passion peut venir à n'importe quel âge. Alors, oui, oui, tout vous à en fait. Êtes la preuve vivante. Tout à fait. Vous vous épanouissez, on voit bien. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais quelque part aussi, ça occupe mes journées. D'accord. Si on dit qu'il y a des peintures abstraites, tout ça, vous définissez comment la vôtre ? Je dirais du figuratif dans l'abstraction. D'accord. Super. Parce qu'il y a quelques peintures abstraites, mais il y a toujours, on y voit toujours quelque chose. Donc chacun peut y voir comme ce qu'il a envie. Ce qu'il a envie de voir, oui. Donc si on veut vous découvrir, il faut venir à Tête de l'Art. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup pour ces quelques instants. Hein. Merci.